Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie de Nino. Bonjour. Ta gueule, on t'a dit. Ouais, c'est beau la tourelle. Ils l'ont bien rénovée. Ça a été vite d'ailleurs pour la rénover. Hein. Les tourelles qui dépassent, elles sont jolies. Non, je veux dire celle d'en haut. Ah, celle d'en haut, ouais. Elle est belle. Toutes les tourelles qui dépassent un peu. Elles ouais. Grave, elles sont... Moi, j'attends qu'ils enlèvent la base, ça va être incroyable. Ouais. Ah, ça m'a manqué. Et d'ailleurs, quand j'ai fait Indiana Jones vendredi avec ma cousine, je lui ai dit, viens, on sert pas trop nos harnais. Elle pouvait sortir ses bras carrément, tu vois. Elle pouvait s'enlever. Donc, assez tenue un peu, mais pas trop, tu vois. Genre, ça tenait quand même. Ouais. Moi, du coup, j'ai pas serré mon harnais. Genre, j'avais ça de distance entre mon harnais et moi. Et ah ouais. Vraiment, c'est beaucoup. Je pouvais pas sortir. Moi. Et les casses, ils ont rien fait. Ils sont non, pas ils ont rien fait. Ils ont dit tirer, pousser. J'ai fait comme ça. Ah ouais. Et ils ont dit ok. Et il y a juste ma cousine. Il y a un casque qui leur a mis un petit coup pour que ça serre un petit peu plus. Et genre, la première drop, t'as un de ces airtime. Ouais. Genre, c'est de la... vraiment, t'as l'impression de voler durant la première drop. Ah ouais. Genre, j'ai dit. Sort de BTM. BTM. BTS. BTS. On a fait BTS. Ah bah t'as vu, il y a un train qui est arrêté là-bas. Ça se trouve il y a eu une panne encore. Hier la meuf elle a dit c'est dû arrêter toute l'attraction. Ouais mais après le train il était même pas embarqué donc ça servait à rien de démarrer l'attraction. Ouais. Donc ça a pas duré. Mais non, ce train-là il était déjà sur le parcours. Ouais parce que je vous explique, il y a quelqu'un, il avait dû faire tomber quelque chose en dessous des rails. Il a sauté entre les wagons, il était sur les rails, on le voyait même plus. Et il a trouvé son truc au moins mais putain mais quel fou. Le personnage Jack il est là mais... Ah oui, bah là il est pas là. Oh non, il nous a abandonné. Ah oui, il y a que 5 minutes, ça va. J'espère qu'en sortant de l'attraction, il sera là. Ouais. J'ai envie de le faire. Je vais regarder les files d'attente pour les autres attractions en attendant. Moi, je regarde ça pour les personnages. Moi, je fais un vlog personnage. Ah oui, c'est vrai. On va en voir des personnages aujourd'hui. C'est pas un vlog br***. Pas beaucoup à Buzz. Buzz, on va le faire. Oh, oui. Le record, ça allait marquer. Ça allait marquer quelque part. Le record de Buzz, c'est ce score-là. Ah oui, c'est énorme. Je veux faire le max. Le max, j'ai une vignette, bro. Ah oui, c'est vrai, la vignette. Mais moi aussi, il faut que je le fasse, même si j'ai pas fait depuis au moins 2 ans. Donc, BTM en panne, il y a une lumière de secours activée. Il y a tout le monde qui est en train de débarquer. Si seulement on avait été à leur place. Hein ? Les lumières de secours sont quand même allumées. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Je veux l'activer de toutes les sécurités. Les lumières de la file d'attente de Rock est allumée même la journée aussi. Donc là on va à Indy, ce qui m'avait manqué. En plus il doit avoir vraiment personne vu qu'il vient juste de réouvrir. Bah Rock ça paraît logique que les lumières... Non mais la file d'attente extérieure. Ah extérieure. Oui extérieure. Ok d'accord. En fait ce qu'il faut faire c'est un jour chain rider BTM pour essayer de tomber en panne dedans. Ouais. Ce qui tombe forcément en panne dans la journée. Hein. Non, pas. Il y a des journées. C'est très rare. En panne, mais c'est très rare. Et je pense qu'on aurait bien le seum. Ouais. Donc vaut mieux peut-être pas jouer à ce jeu-là. Non. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde se casse. Donc quand ça réouvre, il y a personne. Ouais, t'as vu, ils attendent. Donc du coup, là, il n'y a pas vraiment de personnage ce matin. Donc, c'est triste. Hein, c'est triste. Hein. On va faire un tour d'Indy. Il sera 10h45. Oui. À peu près. Et donc après, on cherchera les personnages dans le parc. Ouais. Let's go. Peut-être qu'il faudrait que je m'achète. Oh, attends, il y a un t-shirt Phantom Manor maintenant. Ouais, c'est. Ah ouais. C'est un pull. Ah ouais, c'est un pull. Ouais, il y a toujours celui-là, ça a pas changé. Ah, celui-là, c'est l'air. Oh, il est super celui-là. Pourquoi ils le font pas en grand celui-là? Il est sympa. C'est vrai qu'il est bien. Ouais. Je préfère en. Bah, c'est ta taille en plus. T'es un vrai marrant, toi. Hein. Ah ouais, je suis un vrai marrant, t'as vu. Je suis un comique, moi. Je suis un gigolo à 10 euros. Non, je suis un rigolo. Gigolo. Qu'est-ce que tu racontes, moi? Ouais, de boulogne, les gens, si vous voulez, mon adresse, mon job. Qu'est-ce que je raconte? Ah oui, tout le monde se casse, ouais. J'aurais fait pareil. Enfin, mais de con, cassez pas. Alors, vous prenez 10 minutes pour une paire de lunettes, c'est bon, les gars. Imagine que ça va fermer une heure pour une. Imagine ça va te fermer toute la journée. Oh, il y a le train. C'est bizarre, ouais, ils ont pas débarqué, par contre. Étrange. Franchement, tout ça pour une paire de lunettes. Ouais. En vrai, c'est mieux d'avoir. Ah oui, ils sont au max. Crever pour une paire de lunettes. Normalement, ils ont juste appuyé sur une pédale qui se trouve à l'arrière de chaque wagon pour ouvrir les harnais. Imagine, durant l'attraction, il y a un caillou qui tombe sur la pédale. faut être vraiment flexible hein, pour réussir. Hein. Ouais. Ou alors, faut juste se barrer de son harnais. Enfin, de sa lave-là. Ouais. En fait, tu veux concurrencer Wonder Woman en fait avec la chasse aux personnages.
Il avait fait 32, je crois, ou... Non, 40. Ah oui, 40. 42, mais il a fait Studio Park. Ah oui, ouais. Dans le parc, juste avec le parc, il a fait 32 personnages. Moi, c'est pas mon délire du tout, je suis pas fan Disney, mais bon. Par contre, là, je filme pas dans India, parce que la dernière fois, ça s'est mal passé. Ouais, je t'ai fermé gueule. Ouais. Puis en plus, l'on-ride était d'une qualité totalement merdique. Le au son moins, il y avait un pigeon. Ah oui, ça, c'était cool, ça. Il a rattrapé le fou, le pigeon. Merci, t'es prêt à prendre des buffs, mon petit? Moi? Toujours prêt à se prendre des buffs. Moi, là, c'est vraiment. Oh! Je te prépare aussi. Oh! Ça y est, je suis prêt. On regarde, y'a personne, je parie. Bon, allez, on se retrouve peut-être dans Pierre des Caraïbes après ou à la sortie. Dommage, l'air de jeu est fermé, j'aurais bien voulu voir les petits enfants. Toi, t'as sauté la classe de CP, toi? Oui. J'ai jamais fait de ma vie, vraiment. Ah ouais? Premier degré. Y'a du monde hein, quand même. C'est vrai, j'ai jamais fait. Bah, vaut mieux pas. Je crois qu'on peut passer par là. Ah oui, un peu. Je peux pas passer plutôt par là-bas? Ouais, vas-y. Ou alors, est-ce qu'on peut par. Peut-être qu'on peut passer par ici, l'auberge. J'ai jamais allé. Un petit maquillage là, pour 10 euros, un petit maquillage de princesse. C'est la première fois que je vais ici, tiens. Non, je crois pas qu'on peut aller là, c'est seulement le restaurant. C'est très joli ici. Ouais, je ne crois pas qu'on... Par là, non. Je vais voir. On peut pas. Ok, on peut pas. Pas grave. En fait, tous les restaurants sont fermés parce que regarde, c'est écrit qu'ils peuvent pas recevoir. On aura essayé de passer par là. Ouais. Ouais, c'est un peu con qu'on puisse pas passer par le château. En plus, on peut pas se brûler. Ouais. Oui. Puis en même temps, ils sont en travaux, ça serait un peu dangereux. Hein. Ouais. Je me demande si même le jour, il y a des employés qui... J'aimerais bien aller dans la boutique là, elle est sympa la boutique. Okay. Enfin, pas maintenant, hein, mais la chaumière là, à droite. Maintenant, en fait, je croyais qu'elle était mieux. Non, c'est la rive basse qui est bien. Ah oui. Ah oui, on peut quand même passer dans le château en fait. Ouais, parce que dans le château, c'est. On va à rive basse ? Non, on vient au fond. Ok. Et on peut quand même passer. Ah ouais. Je pense que je vais filmer dans le buzz comme ça on verra nos scores. Par contre ça va être un défi, je devrais tirer seulement une main. Ce sera peut-être moins... Ah oui, ils ont enlevé Autopia, je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Oh, c'est triste. Non, c'est... je veux dire oui, Orbitron. Oui, Autopia, heureusement qu'ils l'ont pas enlevé. Hein. On va à Space au final. On va le chain ride comme j'avais dit. Ah oui. Nautilus, ensuite Space, ouais. Nautilus. Par contre on est passé par le mauvais endroit, je sais pas si on pourra passer. J'espère. Un peu large là. On a pu voir. Ouais. Vous pouvez nous montrer un peu plus son détail. C'était un travailleur lui, il avait l'air vachement jeune. Space Mountain. C'est des jeunes portugais, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. J'espère qu'ils travaillent c'est bien. C'est cliché sur les portugais, ouais. Ils s'en prennent pas la gueule, mais... Ils mangent des briques, quoi. Fortnite, ah, le jeu pour les portugais. Le Battle Royale pour les portugais. Oh, l'eau bleue, ça me donne envie de plonger dedans. Oh oui. Je savais pas jusque là, mais oui, peut-être. Viens, on fait une golden shower. De quoi? Une golden shower. C'est quoi? Une douche jaune. Ah, d'accord. Tu sais ce que c'est, quoi. Oh, bah oui, maintenant je sais. Mets une image dans la vidéo. Non, ça va pas être possible, hein. Je vais transférer par YouTube. Ouais, pour l'instant, le Nautilus est fermé, donc je pense que ça fait un ou deux tours. Et ça sera ouvert. On va le chain ride. Ah, regarde le temps qu'il y a au Nautilus pour. 75 minutes. Oh, énorme. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Hein. Tu penses que c'est déjà arrivé à Disney, 75 minutes au Nautilus? Je pense que c'est arrivé une fois, mais vraiment. À l'ouverture, peut-être. Ouais, peut-être. Quand même, je pense qu'ils ont autre chose à foutre qu'aller au Nautilus. C'est sympa quand même le Nautilus. Hein. Plus à l'ouverture de Space Mountain parce que ça y était pas, je crois. Ah, je sais pas, peut-être. Je crois qu'ils l'ont mis pendant Space Mountain. On a vu le launch. Oh, mon canon. Oui. Donc là on va à Buzz, on a fait chain ride 3 fois Space, ce qui est un record pour nous. Un record personnel. Ouais. Il y en a qui ont fait 48 fois Rock'n Roller Coaster, nous on a fait 3 fois. C'est parti, n'est-ce pas Nino? Ouais. C'est le pistolet. Je suis à 0 point. Je vais faire un peu de temps.
Pas il est sous coup qu'il arrive dans le quart d'heure. Je livre avec des pigeons voyageurs, t'inquiète pas, ils sont sous coup. Tu te rends compte, ici il y a plein de pigeons suicidaires. Il y en a un qui s'est mis sur les rails, il y en a un qui avait pensé dans Discovery Island là-bas. Il y en a un, il m'a foncé dessus avec ma cousine vendredi. Ah oui, ouais, il a fait comme ça, il a fait hop là. Parce que nous, en une journée, l'été dernier, on avait deux pigeons suicidaires. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'attraction qui mouille ici. Il devrait construire un Splash Mountain, mais le problème du Splash Mountain, c'est qu'en hiver, il serait pas ouvert. Ouais. En hiver, il serait fermé à 24. Ça serait pas très rentable. Au pire, ils pourraient faire un Splash Mountain où ils enlèvent l'eau, ils peuvent enlever l'eau l'hiver, et ils mettent de l'eau pendant l'été. Pendant l'été. Ils peuvent faire ça aussi. Puis même, ils peuvent juste mouiller un peu. Pas trop, mais juste quelques gouttelettes, quoi. Non, moi, je veux que ça mouille. S'ils font un Splash Mountain, je veux que ça mouille sévère. Il le faut. Après, j'aime pas être trop trompé comme au parc Astérix là avec Romus et Rapidus parce que ma chaussure a mis 2 jours à sécher. Romus et Rapidus, 2 jours à sécher, on abuse un peu. C'est on pas tip du bail, top ça. Romus et Rapidus, oh mais toi tu t'es pris une vanne. Oh, oui, moi j'ai pris cher. C'était on pire aurait venir. Dû filmer. J'aurais dû prendre la GoPro et te filmer tout le long de l'attraction sinon ça. Parce que moi j'aurais lâché hein, la GoPro. Oh là là, c'est une attraction Romus et Rapidus. J'ai jamais allé dans la girafe curieuse. Dans la girafe curieuse, à l'intérieur de la girafe. Moi j'y suis allé une fois, mais c'est pas incroyable. Ouais, j'ai dû y aller peut-être une fois, mais. Alors, sinon je suis jamais allé ici, dans ce magasin là, je sais pas où est l'entrée. Parce qu'il y a un magasin ici, ça s'appelle, je sais plus quoi, les trésors de chez Raza, tu crois. Oui, c'est là. Tu peux rentrer aussi. Non, là tu peux pas. Mais l'entrée elle est là-bas. Ah. Et là t'as la sortie. Parce que j'aimerais bien y aller un jour. Je suis jamais allé dans cette boutique. La boîte mytho elle est pas incroyable, ça fait des. Ah. Tu vois, c'est un peu comme mange ici. Les boutiques de Land qui servent vraiment à rien. Oh, on est dans la plage. Ouais. Ouais. C'est par là? Oui. Ah oui. Ça m'est jamais arrivé ça. Tu viens, on passe par là. Des folles encore. Ouais. Ouais. On pourrait passer par là, hein. Vas-y. Ouais, allez. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Je connais pas le chemin. Ça fait plein d'années que j'y suis pas allé. À chaque fois, je me perds. Putain, je vois rien. Je sais pas où on va là. Attends, merde. Pourquoi on voit pas comme ça? Hein? Faut continuer tout droit. J'ai peur de me prendre un peu. Oui, j'ai peur qu'il y ait genre une racine ou un truc comme ça.
Ah, c'est par là. Il y a de la lumière ici. C'est par là ? Je crois. Oui, c'est par là. J'ai envie d'aller sur le pont suspendu. Ça donne envie de vomir en plus, c'est bien. Mauvaise idée. Bon, on a trouvé la lumière. Hein ? On se concentre sur les cartes. C'est après, vrai. Il y a des vides, donc quand on arrive. Ah, la wifi, elle m'a lâché. C'était fait larguer. Oh putain, le monde qui est là-bas. Colonel Atis est la plus chère. Ouais, ou alors c'est les personnages. Non, non, ça c'est Colonel Atis, c'était le restaurant. Les personnages, c'est à 15. Les, ah. Les 9. On entend une aussi gros engouement pour les personnages. Ah bah. On sait jamais. J'espère pour nous parce qu'on serait vraiment dans la merde. Ces kétaks sont très convoités. Oh, on voit bien Indy. Il est haut quand même. Alors, je suis ressorti de Pinst Wedding, aujourd'hui il y avait, et il y avait des trucs collecteurs, enfin pas collecteurs, mais qui viennent des États-Unis. Et donc je suis reparti avec ça. Donc c'est un Hidden Mickey, puisqu'on voit le petit Mickey là caché, qui n'est pas vraiment caché d'ailleurs. Et donc, ils viennent de Californie, on voit bien les logos Disneyland là. Et je le trouvais très très beau, et donc je vais le garder très précieusement avec moi. En plus, il date de 2005, c'est formidable. C'est très con que je le fasse tomber et que je le casse. Donc je vais le ranger. Très, très con. Ouais, oh oui, très très con. On passe par là, viens, par les grottes. Non, moi je préfère. Non, là on se retrouve là-bas. Le premier qui arrive. J'ai couru. Je pense qu'il aura eu la même idée que moi. Merde, il arrive. Julien, t'es là? Non, il a gagné. Je pensais pas que t'allais courir. Il fumait, gros. Donc on est sorti de Pirates des Caraïbes, c'était très malheur. Cool. Gros 13, ça porte malheur. Ah, oui, on est pas bien. On est un vendredi, non, on est un jeudi. Mais... On est un jeudi, ça passe. Donc là on va à Fantasyland tester les nouveautés, enfin les rénovations. Donc là on va à Pinocchio et Blanche-Neige. Parce qu'ils ont refait des trucs, déjà on devait le faire mais on a fait Peter Pan à la place qui est toujours aussi bien. Il est bien mais il est court. On fera It's a Small World s'il te plaît. Ouais ça se passe. Sans réponse. It's a Small World. Oui. Let's go. Ouais. Après les personnages. Ok. Et... Là on fait Pinocchio, Blanche-Neige, après ensuite personnage. Tu pourras m'acheter un ballon. Tu veux un ballon? J'ai pas d'argent. Un ballon dans le cul. Ouais voilà. T'as un deux doigts dans le cul surtout. Ah oui. Bon on a fait Pinocchio, il y avait une panne à Blanche-Neige, donc on nous a pas engagé. Heureusement on n'a pas attendu trop longtemps. On a fait le binocle là. Ouais, c'est violent ce que j'ai. Ouais. Tu veux te faire peindre le visage ici? Non merci. Oh. C'était un peu violent la façon dont je l'ai dit. Tu veux faire les tasses? Tu l'as dit de toute façon, tu veux te refaire le visage, tu veux te faire des fossettes à la chirurgie esthétique. Ouais. Tu l'as dit de cette façon-là. Comment t'as deviné ce que je voulais faire? Ça paraissait évident. Il y a une petite fille qui fait le personnage. On peut demander, hein. C'est bien. On peut passer dans le vlog, si ça deviendra même. Ouais. J'espère que t'as bien filmé leur tête. Ouais. Alors, vraiment, j'espère. J'en ferai un même. Vraiment. On passe dans le vlog. Oui. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Freine. T'es vraiment un boulet, toi. Hein. Moi? Oui. Je le savais. Ouais. Chouette attraction. C'est une chic attraction, ceci. Attends. Oh, mais. Je fais exprès. Ah, oh, bah oui, évidemment que je fais exprès. Oh. Ils avancent encore à cause d'Alde. Oui. Tu vas nous faire dérailler, arrête. Non. Oh, mais. C'est pas comme ça qu'on déraille. Aïe, putain. Tu vas chercher. Oh, il y a des bouchons qui prennent. Là, tu vas pas passer le code d'or ou toi, hein. Voilà. Tu vas pas avoir le permis, hein. Toi, je te tue. Ah t'as de la chance que... Oh. Ah non, mais non. Ah 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 ah. Ok le café. Le bistrot de l'an 2000 là. Il y a toujours pas ça maintenant. Il y a des bouchons, n'est-ce pas?
mon Rosebase. La voiture rose. Elle est pas solide dans la voiture rose. Fait deux fois space, enfin hip, hyper space. Et donc j'ai pas fait trop attention à la déco extérieure, ouais c'est sympa. J'aimais bien les lasers quand même, ça faisait bien dans le thème. Ça, moi je préfère comme ça, c'est plus sobre. J'aimais bien les effets spéciaux. Sobre, ça se fait, c'est comme ça. Oui ça se dit sobre. Okay. Donc là on va en fait, parce que BTM, ah si on va caser Junior. Ouais caser. Parce que c'est quand même un mythe. Grand mythe, ouais. Ne serait-ce pas le temps de demander aux gens des abonnements et des pouces bleus. Alors, et dans abonnez-vous, les commentaires, sinon on continue et dans pas les la commentaires, vidéo. Dites-nous quelle est votre attraction préférée. Et évidemment, dans la description, ma chaîne YouTube, sa chaîne. Non. Sa chaîne YouTube à lui. Con, bah oui, bah ça semble logique quand même, non. Ah, je sais pas, je suis déjà sur sa chaîne YouTube, ça sert à rien de remettre ta chaîne en. Est-ce qu'on passerait pas au château pour passer par Harry Bast? Donc on a un flemmard à notre. On passe dans les sous-sols. Tu crois qu'ils sont ouverts les sous-sols? Je sais pas. Sûr. Regarde. Ouais. Je crois que j'ai. Ouais, vas-y, filme. Oh non, encore des zooms. ouais, c'est fermé. Oh, 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 oh. C'est fermé? Oui, mais on peut passer par le château si tu veux. Oh non. Tu veux voir les princesses? Oui. Oh non. Oh non. Oui. Le beau château. C'est un beau château. C'est mon château. Sexy le château. Et j'incite aussi les gens à... Tu vas tout habiller le château là, quand il sera tout nu? Oh franchement. Je lance une pétition. Remettez le passage et fermez les. Je lance une pétition pour que Space change ses trains. Et enlève la barre derrière qui me fait mal. Donc c'est pour ça que je vous invite à dire dans les commentaires si vous avez ce genre de problème aussi. En gros, je vous explique en détail. Le dossier. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Yeah. Le dossier de Space, enfin le dossier. Le siège. Oui, le dossier du siège, ouais. En gros, le dossier du siège de Space est divisé en deux parties. Une partie basse et une partie haute. Le problème avec ça. C'est que le sommet de la partie basse est assez recourbé un peu. Donc ça fait une sorte de bosse et ça me fait mal. Putain, on envoie des gamins aujourd'hui. Il y a deux types de personnes qui me disent bonjour. Ouais, on passe dans le vlog. On est dans Kazé Junior. Lounge. Oh,
il y avait un pigeon, il a eu peur le con. Airtime. Ouais, non, c'est la merde. On est vachement penché. Airtime. Airtime. En fait, non, mais. C'est mieux que rien, mais. Ça accélère là. Ouais. Je fais coucou mais je connais pas, mais je fais coucou quand même. Moi je fais ça. On est tout devant. Oh, voilà, on a vu le tunnel du train. Je savais pas qu'on le voyait bien, sérieusement. Bon, on est à combien déjà? Vas-y, dis-nous. 21ème rencontre. 21ème rencontre, vrai. Ouais, vas-y, on passe par là. N'empêche, j'aurais été sympa de manger ici aussi. On va faire une story. On passe par où là? Si, on va passer par là-bas. Tu vas voir, je connais le chemin. Ah oui, c'est. I know the way. Je connais. Je suis jamais passé par là quand même. Mais on passe par les petites rues comme ça. Il y a un point photo là. Non, personne. Ah non, c'est un photo, mais genre. Et hop! Waouh! Je fais du sport! Au revoir! Au revoir! Il m'a abandonné! Je le vois. J'ai failli me ramasser la gueule. On peut passer par là-bas, c'est sympa par là-bas. On est à notre 21ème rencontre de personnage. J'ai décidé en fin de vidéo du vlog comme ça à vous faire un diaporama à la fin du vlog de ah d'accord qu'on a rencontré, voilà. D'accord. T'es comme ça toi. Là juste il y aura des plans de coupe un peu parti par là, je parle là. Là il y a un câble ici. Donc là je pense quand on va sortir, je vais juste faire la vidéo. Là, il y a un gros câble. Ah ouais. Attends, je vais essayer. J'ai touché. Non. Ah ouais, si. T'es nul. Ouais. Par contre, j'ai un pas d'air. J'ai aussi. J'ai essayé de toucher les rondins en suspendu là. Eh non. Donc, on le fera. Bon, viens, on va alors à. Fantôme alors. Ah, au camp, encore? Tu peux pas faire buzz plutôt? Ah ouais, j'avoue buzz. Ah ouais, ouais. J'avoue que buzz. C'est très vendeur. Water Space, après Buzz Space, et puis si on voit que BTM est réouvert, bah on va à BTM. Et Riverbot, lundi, ça se passe comme ça. Effectivement, ouais. Je me souviens plus qu'il y avait un puits ici, je vais voir s'il y a des trucs. Non, ah, peut-être qu'on entend les mineurs. Ou non, je crois que c'est dans l'autre là-bas, mais on regarde quand même. Non, on n'entend rien. Non, c'est. Tu sais, si ça serait ouvert, je t'aurais poussé dedans. C'est dans l'autre puits à côté de. C'est dans le puits à côté de. Je sais plus où. Ah, j'ai oublié le nom. Thundermesa Express. C'est à côté de. Pin's Wedding, voilà. Il y a un truc qu'on entend les mineurs. On va à Buzz en premier. Hein. Perrier, c'est plutôt par Perrier. Ça passe en Perrier. Bon, je vais essayer de battre mon record qui est de 40 000. 46 000. Bon, okay. Un pigeon. J'essaie de battre mon record de la journée qui est à 800 000. Ça va, toi, tranquille. 880 et 880 000, exactement. On va spammer et comme des gros porcs. J'ai envie de battre aussi mon record bah, personnel de tout, tu vois, ça t'a fait. Ouais. J'ai de 950 000, je crois. Ah ouais. 950 000. Eh bah merde. Il me restait 50 000 points. Ouais, bah 950 000. Il me restait 50 000 points. Ah, il y a les éclairages. J'avais pas vu la dernière fois. Les gars, c'est incroyable. On a réussi à faire le max sur Buzz, tous les deux. Oh, let's go. C'est incroyable. Le problème, par contre, c'est qu'ils n'avaient pas de stickers, donc on n'a pas pu c'est en pas avoir. Grave. Non, on a pris une photo si vous voulez une preuve. Puis j'ai filmé à l'intérieur même. Putain de merde, j'ai plus rien à faire en fait. Je peux diriger si tu veux en fait.
Et maintenant on a la technique. Enfin, c'est surtout on a eu de la chance parce qu'on s'est arrêté pendant très longtemps, on était arrêté. C'est une anecdote qu'on racontera à nos enfants plus tard. On en est tous. Ça veut dire qu'on dort beaucoup, c'est son quotidien. Bon bah maintenant on va fêter ça avec une bonne bouteille de champagne et on va se prendre un champagne dans Hip. Dis-nous ce que t'as à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai une outro fait par Wonder Rook. Oui, on l'a vu. J'ai une outro de ma chaîne. On l'a vu, il était là, il vient de disparaître d'ailleurs. Allez, je sais pas où il est. Ok. Il est arrêté encore. J'ai perdu de vue. Par contre, mon téléphone dégueulasse, il y a bizarre, c'est quoi ce téléphone? Ouais. C'est incroyable, putain. Putain, je suis comme un gosse. Génial. Gros, génial. Bon bah nous aussi on va faire un outro, hein, moins stylé bien sûr, mais bon allez, c'est quand même une bonne outro que je fais. Attends, mais moi je suis capable de la regarder en boucle. Ah moi je me suis très bien rendu. Génial cette outro. Ouais. Hein. Bon bah nous on aura fait ce qu'on aura à faire, on aura fait 6 tours de Space. On refait Space. Oh ouais, sortir. Tiens, une dernière fois, allez. Je vais faire une story. J'ai une outro fait par Wonder Woman. Oui, c'est incroyable. Putain. On aurait dû dire qu'on a battu le record, putain, on a oublié. Bon, eh bien, ça fut une journée forte, agréable. Oui. Acceptable, agréable. Exactement. Oh bah c'était plus qu'acceptable. Exactement. Hein. Allez, vas-y, on va Utopia maintenant. Donc nous on se quitte, hein. Nous on va rentrer, on va pas faire les boutiques, on n'a pas le temps. Et on se dit à plus.